Je peux tenter un élite à un PV là. C'est pas non plus le meilleur chemin, mais faut faire quand même deux élites de trois feux. Ou alors trois élites et un feu. Ce qui est quand même correct. Potion de force, on est contre. Le gardien, on de shot, c'est cool hein. Allez, on retente. Nice, ça passe cette fois. Ah, la bombe, ça aurait pu être sympa. Mais il y a planétaire en vrai. Planétaire, c'est vraiment une bonne relique. Hein. Brutalité. Les sentinelles, en vrai, avec virilité, ça peut être sympa en combo. Ignore la douleur. Double monde de shot, je pense, c'est un peu too much. Oh, double ignore la douleur, par contre. En vrai, double ignore la douleur. À ce moment-là, je prends ça. Je prendrais pas deux virilités quand même, je pense. En vrai, est-ce que deux ondes de choc, je pense pas non plus. Je sais pas si c'était nécessaire, par contre, ça. Je crois que j'ai dépensé ma thune pour rien. C'est dommage, ce fight était gratos avec les doublignons la douleur. Un set préservé, let's go. Hémokinésie. Je t'avoue que j'ai aucune attaque, donc il faudrait peut-être commencer à y penser. Surtout si je veux faire plus d'élite. Bon, je vais sûrement tenter le 3 élites. Hein. À ce moment-là, je prends Hémokinésie et je le upgrade au feu. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. C'est une bonne carte, hein. 2 PV, franchement, c'est... C'est ok. Oh, le sombre étreinte. Oh, bah, let's go, hein. On est reparti. Oh, sinon, il y a 100% en vrai. Après, 100% avec juste hémokinésie, je pense que c'est... C'est peut-être pas assez. C'est probablement pas assez. Si j'avais pris brutalité, que j'aurais pu prendre, ouais. On va plutôt prendre sombre étreinte. Je me retrouve du coup avec que des pouvoirs. On va peut-être dû claquer ma potion de force. Yes. N'hésitez pas les attaques. Quand vous voulez. Merci. Poudre embouteillée. Oh, le gourdin. Honnêtement, je crache pas dessus. Hein. En vrai, on a un bel œil de gecko là. Ça me fume parce qu'à chaque fois, c'est pareil quoi. Est-ce que je prends deux shots en embouteillé? Je suis pas sûr que ce soit si bien de ça non plus. Hein. C'est correct, mais est-ce que je le veux dans tous les fights quoi? Est-ce que des fois je voudrais pas plutôt enlever des artefacts avant d'onde de choc? Peut-être. Je pense que je vais pas embouteiller. Et... Non, meurt. C'est peut-être un peu trollé en vrai. Mais ça va, on se débrouille pas mal. Tu mets les fous avec juste le gourdin. C'est peut-être un peu du trolling. Coup de boule, c'est bien. Et en vrai, avoir une attaque en plus, on crache pas dessus non plus. Qu'est-ce que j'onde de choc maintenant en vrai? Je pense. Je crois qu'avec deux ignorants la douleur, est-ce que c'est pas plus rentable d'attendre? Je
Je pense que si en fait. Je vais peut-être pas attendre. Enfin, je vais peut-être attendre le troisième tour pour le réveiller. Là, je vais jouer ça. Gourdin ou ignore? Je pense que c'est Gourdin quand même. Faut pas déconner. Ouais, coup de boule un truc. Genre Gourdin. Du coup, faut. Ouais, mais... En vrai, si je peux faire ça. Et du coup, j'aurais dû. Ah merde, j'ai sombre éteinte, mais je suis con. Ah. Des fois, je me fatigue. Est-ce qu'on veut une volée de poux en vrai? Juste pour les ignorer la douleur, c'est ok. Ah, de là à dire que c'est rentable, je sais pas. Peut-être pas. Hein. Bon, je vais améliorer virilité. Je pense après j'aime les rondes de choc. Un gros coup de gourdin dans la gueule, il va rien comprendre. Ah, peut-être pas en fait. Gourdin, c'est vraiment la meilleure carte. C'est juste, c'est comme Ultra Laser, j'adore ces cartes. D'ailleurs, je pourrais presque l'améliorer, mais je pense que c'est plus rentable contre le gardien d'améliorer en deux chocs. Surtout que j'ai pas ajouté beaucoup de défense, hein. J'ai juste une virilité. On va sombre éteinte. Je me demande si je fais pas une potion incendiaire en vrai. Faire ça, mais ça le compte pas quoi. Qu'est-ce que je vire? Pas sûr d'avoir envie de virer le gourdin. Football. Là, je fais 30 avec ça. Je vais un peu manquer de DPS là dans les prochains tours. La virilité fait du bien quand même, hein. Avec les ignorant la douleur. Sans les heurts, je monte quand même de. Enfin, sans la vulner, je monte de dégâts. D'ailleurs, le prochain tour est cata. Il est cata. J'ai pas assez de... dégâts.
hache, si je fais bien de les épuiser quand j'en ai pas besoin. Quel enfer. Je l'ai pas très bien géré ce fight. Hein. Vraiment pas très bien, mais. Bon, l'important c'est de s'en sortir, j'ai envie de te dire. Invincible, Mastodonte et Zium. Ah, c'est intéressant comme choix. Les trois peuvent être assez intéressants en vrai. Avec Ignorant la douleur, Mastodonte c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'épuise une carte, je vais choper. Enfin, je vais faire des dégâts. Invincible, c'est bien aussi. Hein. C'est polyvalent. Je vais prendre Mastodonte. Après, Mastodonte, ça synergise pas très bien avec le Kunai, je pense. Et du coup, pour stack le Kunai, on veut jouer des attaques. Avec Mastodonte, on veut jouer des défenses. Dans l'idée, c'est peut-être pas si bien de ça du coup. Ouais, en vrai, c'est peut-être pas si bien de ça. Invincible du coup. Aïe aïe aïe! En vrai, je peux prendre la pyramide. Pyramide, c'est ok, je pense. Pyramide, si on chope une illumination, ça nous met très bien. Si je chope. Ouais, je peux tenter un double élite, je pense. Trip, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est peut-être un peu beaucoup, trip. Oh, j'ai envie de le bourrer, hein. La sombre étreinte est un peu moins utile quand même avec avec la pyramide, je pense. Okay. Ouais, ça se remarque, c'est quand même bien. Là, ce qui serait parfait en vrai, c'est un petit appétit. Évolution, je pense pas. Charge imprudente. En vrai, charge imprudente, ça peut être correct hein, pour stacker le kunai. Ça me donne un hébétement, mais l'hébétement me donne de la défense. 6 de défense. Je vais le prendre. Illumination, dommage. Violence, je pense pas. Tenacité, je... Tenacité, en vrai, s'il arrive à épuiser les plaies, c'est correct. Mais est-ce que je vais réussir à épuiser les plaies? C'est un peu ça la question, quoi. En vrai, tu sais, j'ai déjà un peu ma défense à être lésignant la douleur, là. Je pourrais prendre l'éclat prismatique. On chope des surins et puis on stack le kunai. Est-ce que je prends préscience, en vrai? Je pense que c'est pas mal. Après, c'est que j'ai pas non plus des attaques qui synergisent de ouf avec de la force. Je sais pas si je reprends une charge imprudente. C'est peut-être un peu trop, non? Je vais virer une frappe. Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais acheter, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant.
Oh, ça c'est intéressant. Necronomicon sur le gourdin? Oh oui. Ah, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est le beau jeu. En vrai, je peux te claquer ma potion. Prisma. Et ouais, mec. On part sur du Prisma. Ça va, Fricouscous? Putain, j'ai envie de gourding. Délit gourdin. Je le tue même pas. C'est trop faible, Bourdin. C'est trop faible. Voilà. Allez. Ça dégage. Faudrait que j'ai 4 d'énergie, il faudrait que j'ai un saigné en vrai. Saigné, ça me mettrait giga bien. Intensité. Ah merde, mais j'ai le Packmaster d'activer, du coup. Du coup, je vais avoir ces cartes aussi. Ah merde, ah merde. Du coup, ça va pas être Vanilla, Vanilla. Bon, je vais les ignorer. On va les ignorer. Ça va juste me réduire mes choix, du coup. Intensité, en vrai, est-ce que ça vaut le coup? D'un côté, c'est bien, mais en vrai, avec la pyramide, est-ce que c'est nécessaire? Sinon, je peux prendre une petite foudre en boule. Ah, c'est... Je pense que c'est bien quand même, hein. Ça vaut peut-être le coup d'améliorer mes frappes et défenses, j'en ai tellement. Là, je vais améliorer mon goût. Mon gougou. Mettre des bons gros dégâts là. Touch. Intensité. Voilà. Alors c'est un peu overkill. C'est un petit peu overkill. Ah, j'aurais dû reprendre le gourdin en vrai. Nickel. Hop. Je vais gagner 6. Ouais, je peux full block en vrai. Pas comme si ça me faisait peur d'avoir des événements. J'ai une 9. Bon, moi je prends plein de dégâts. Vas-y. Oula, 36. C'est beaucoup ça. Flottante non, lancer de dague. Ah, lancer de dague, elle pourrait avoir une utilité, mais non. Mais non. Qu'est-ce que j'améliore? Sombre étreinte. Pour l'avoir à 1. Les gros gourdins. T'as vu ça? En vrai, faut juste que j'arrive à avoir un peu d'énergie pour faire fonctionner le.
Le kunai, on sera giga bien. Ça vaut le coup, ça. Ça va m'améliorer coup de boule et charge imprudente ou heure. Les charges imprudentes, c'est cool. Donc, le problème, c'est que dans ces fights, j'ai pas non plus de l'AOE, quoi. Après, bon. Il y a besoin d'AOE. Quand on peut one-shot les ennemis. J'aurais pu prendre un stade de kunai, par contre. Pas ouf comme tour, ça. Je vais craquer ça. Voilà, si j'ai le gourdin, je le tue. Mais j'ai pas le gourdin. Mais je peux le piocher. Mais je l'ai pas. Sad. La sentence est irrévocable. 1026. Normal. Conclusion, coup de genou. En vrai, coup de genou. Non, en vrai, je pense pas. C'est un peu la misère, quoi. Si on doit compter sur un coup de genou pour avoir 4 d'énergie au sport. Merde, je pouvais taper. J'aurais peut-être dû taper. 1, 2. Je le tue. On va partir du principe que oui. Ouais. Pas au mieux, quoi. Pas au mieux. 1, 2, 3. Et le gourdin. Oh, la double déclotion d'entropie. Est-ce que ça vaut le coup de claquer ma déclotion d'entropie pour voir si j'ai pas une potion à chier à jeter? Comme ça, je reprends l'autre déclotion. Je pense que c'est plus rentable de faire ça, non? Putain, c'est que des bonnes potions. C'est que des bonnes potions, quoi. Moi, je vais virer la potion de pioche, en vrai. Ah, mais vas-y, transmutation. YOLO, c'est vrai, j'ai trop d'énergie à dépenser là, du coup, transmutation, ça donne quoi en amélioré? Je vais pas la prendre, je pense. Hein. Je vais me soigner. Ah, j'ai pas grand chose à améliorer. Éventuellement, ignore la douleur. Alors. Mon jeu est modé. C'est à cause du patch master. J'ai oublié de l'enlever. C'est pour ça que j'ai des propositions de cartes assez à chier. Parce que j'ai l'éclat prismatique. En vrai, est-ce que j'utilise ma potion de défense? Je pense pas. Hein. Je prends 12. Ça va? Ça va, 12. Chance.
à 22. C'est un peu plus chiant, ouais. Vas-y. Pas deux fois d'affilée quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Et puis gourdin quoi. On va le gourdiniser. Vaha. Acrobatie. Est-ce que l'acrobatie m'intéresse? C'est quoi ça, panda? Pandamonium. Oh là là. J'aurais... Putain, je suis dead de pas l'avoir désactivé, ça me ruine un peu, quoi. Acrobatie, ça m'intéresse pas de ouf, je pense. Moi qui espère avoir des surins. Me voilà fort déçu. Et 1, et 2, et 3. La touch. hop. Si tu le désactives et que tu relances le jeu, tu penses que ça détruit la run? J'en ai aucune idée. En vrai, c'est une bonne question. J'avoue que je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr que j'ai envie de tenter, quoi. Du coup, je ferai à 25. Je réduise mon deck en vrai. Ça va pas être pour tout de suite. Je crois que je vais avoir un cible en vrai sur ce tour. Ah, pas l'idéal, mais bon. Ma main est pleine quoi. Maintenant, de l'autre côté, j'ai pas envie de jouer ça quoi. Mes trois. Pas le bon ordre. Thank you.
14. Je sais pas si c'est plus rentable de faire ça. Gagne 7. Mais je lui réduis ses dégâts. Ça doit passer dans les 48 environ. En vrai, je crois que c'est plus rentable de double def. Hein. Est-ce que je peux le tuer là? Je fais 126, on a dit. Ouais, je le tue. L'homme aux gourdes, hein. Petite amplification là. Amplification inhale la douleur. En vrai, je pense pas que ce soit si bien de ça. Qu'est-ce qui fait monter la DST? C'est le kunai. Putain, en vrai, je suis dead, quoi. J'ai l'impression d'avoir une couronne. Est-ce qu'on teste? Est-ce qu'on teste de relancer le jeu pour voir si si ça fait bugger? Ça marche? C'est vrai? Non. Non, mais tout à l'heure, j'ai fait une run avec le Packmaster. D'ailleurs, elle était incroyable. Je vais la mettre sur YouTube. Elle était sensationnelle, cette run. Je sais plus. Il me semble bien. Et bon, on va voir ça tout de suite. Faites vos paris. Là, je peux faire des bêtes si vous voulez. Attends, comment on fait déjà? J'en ai jamais fait. C'est quoi? C'est prédiction, je crois. Alors. Le jeu va-t-il mourir? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Temps de la prédiction, 30 secondes. Allez, hop. J'ai compris. Normalement, ça marche, là. Ça paraît sur oui. Non. C'est plus oui que non quand même. Ok. Bon après c'est en termes de... En termes de mise, vas-y. Alors attention. Et ça marche, a priori. Ça marche. Du coup, c'était non. Attends, comment je fais pour choisir, du coup? Je sais pas comment on met fin là. Attends. Gérer la prédiction, c'est ça? Choisir la réponse. Le jeu va-t-il mourir? Alors attends, on va quand même faire un test, on va prendre la carte, histoire d'être sûr que ce soit bien non. Qu'est-ce qu'on prend? Je pense qu'on prend des flags en vrai. Des flags sur invincible, sur onde de choc, sur virilité, c'est pas mal. Hein. Après, corruption peut être correcte aussi, mais avec une pyramide, je suis moins fan, je pense. Plutôt des flags. Et là, on va prendre... On pourrait prendre la boîte de Pandore, mais est-ce que c'est si bien de ça? Ouais, je suis pas sûr. Le dôme? Le dôme peut être correct, je pense. Le dôme ou la pierre? La pierre, en vrai, j'ai pas mal de défense. Hein. Je suis trop hésitant à prendre la pierre à chaque fois. J'avais déjà fait de souvenir. Ah. Plutôt pierre ou plutôt dôme? Plutôt pierre, je pense. Si je trouve des 10 armes, je les prendrai dans tous les cas. Bah, ça a l'air de marcher. Ok. Du coup, le jeu va-t-il mourir? Non. Hop. Êtes-vous sûr? Oui. Ne plus afficher. Ça
Terminer l'après-midi. Il va pas payer les mises, le choco. Le dôme, je me loupe souvent avec et la pierre finit par me tuer. Ouais, super, mec. Les deux fois, du coup, sont nuls. Ok, donc on a ça obligatoire. On peut avoir trois élites. Et on peut. On peut aller ici. Faire ça, en vrai, je pense que c'est pas mal. Ça fait beaucoup d'élites après. Mais est-ce que c'est bien grave? Je sais pas. Je ne sais pas. Des flats défense en deux shots, c'est pas mal. Ça donne tellement de liberté en vrai la défly. Toi meurs. Au moins grid avec le dôme. On est contre qui au fait? Dévoreur. Dévoreur avec un force, c'est un peu relou. Un petit peu relou. Putain, ouais, j'aurais dû prendre le mastodonte, hein. Oh! Hologramme rebond, frappe sournoise. Je pense hologramme c'est bien. Ça me, comme ça je l'épuise et en plus ça me fait un coup de boule défensif. Moi j'aime bien. Et je pourrais presque hologramme dans le vent là. Pour pas prendre de dégâts. Je veux pas le faire. J'aurais dû faire ça avant, je suis bête. Je regrette. J'aurais tellement pu faire mieux. Fin du fight. Oh la fumée toxique. Oh le gourdin. Fumée toxique. En vrai, fumée toxique pour pouvoir jouer onde de shot à la 4, ça peut être pas mal. Hein. Virer les artefacts. Ça coûte un d'énergie quoi, mais alors je pense pas que j'ai envie de prendre des normalités a priori vu le chemin. Cela dit, avec vérité je pourrais en épuiser une et je joue pas forcément tant de 7 cartes par tour non plus. Mais en vrai, c'est quand même pénible à voir, je pense. Même avec une pyramide. Hey, donne-moi le gourdin qu'on s'amuse, là. Sad. Du coup, je fais 31, ça va le split. Non, ça le split pas. Merde, le poison. Best split. On n'a pas besoin de bon split ici. On a juste besoin d'un gourdin. Oh, le jeu de jambes. Mais ça sert à rien avec l'ignore la douleur. Puis j'ai Kunai déjà. En vrai, second souffle peut être pas mal par contre. Ouais, ça peut vraiment être bien ce bon souffle. Tain,
Tintin. J'aurais dû faire ça avant, non? Ouais, j'ai presque envie de déflatte ça. Moi, bon, ouais, c'est peut-être pas rentable. Et 8 x 16. Je demande le gourdin. Ça va en vrai, je peux le jouer 3 fois en 4 tours à peu près. C'est pas dégueu. Hein. Oh la petite brillance, la rage bouillonnante pour jouer gourdin sous colère. Gourdin sous colère. Attends, on passe à combien? On passe à 84. 84 plus la vulnée. Ça fait combien? Ça fait... Bah, ça fait... Cent... 126? 126? 126 x 2? Ça fait pas mal, hein? Ça fait 240. Je peux tuer le Time Eater en deux coups avec... Enfin, en deux gourdins. Si je prends la colère. Après, le problème, c'est que je pourrais pas m'enlever, quoi. De colère. C'est un petit peu gênant. Potentiellement. Je suis un homme en colère. Exactement. J'ai presque envie de la prendre, mais... Mais c'est un peu risqué, quoi. Un peu greedy. Oh, le beau jeu. Si on tombe sur la tête, je vais me mettre en colère, il va rien comprendre. Ah oh, vas-y, crève. Hein. Peu de dégâts. Moi, ouais, je peux peut-être en tuer un. Ouais, je peux en tuer un. C'est plutôt ça que je vais pas jouer. Quand même des dégâts. Gingembre. Oh, voix rouge. Ou saut. Après, le saut, est-ce que je peux bien m'en servir? Putain, si j'avais pris corruption, le saut aurait été bien. Pas sûr que le saut me soit si utile que ça, en vrai. Je pense que voix rouge est plus intéressant. On va prendre la clé. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, mais j'ai peur de le regretter. Oh, j'aurais pu le faire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Thank you.
L'indignation. Allez, c'est parti, on prend toutes les colères. Hein. On va éviter quand même. Plume éternelle, ça aurait été sympa. Après, pas si nécessaire que ça actuellement. Alors, ombre étreinte, fumée toxique, de choc, intensité. Il le gère. Au prochain tour, tu tapes fort. J'ai envie de me mettre en colère. Mais sauf que j'ai pas assez d'énergie quoi. Après je peux faire ça au pire. C'est clairement pas nécessaire de faire ça. Mais c'est rigolo quoi. C'est clairement rigolo. Oh, les nids centenaires, incroyable. Déchargement. En vrai, une boîte à outils. Boîte à outils, c'est pas mal. Est-ce que je prends ça en vrai? Une subtilité. Petite chrysalite. On prend tout. Je vais attendre. Oh la folie. Après folie gourdin, c'est pas si bien. Hein. Parce que du coup je le joue qu'une fois. Remarque, après je peux le jouer plusieurs fois en repiochant, mais. Oh le gourdin. Je vais pas pouvoir le jouer même comme ça en fait. C'est moi, il est passé invisible à un moment là. Œuf toxique. Ah bah il manquait plus de ça. Énergie double. Oh la folie. Enfin, en vrai, j'améliore hologramme et puis on fait un infini à base de gourdin. Hein. Avec des flags en plus. Puis en plus, elles vont être améliorées ces folies. Hein. C'est la folie. C'est tout simplement la folie. Illumination, métamorphose, inspiration. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. J'ai confiance en mon gourdin. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Mais
L'énergie double qui ne sert à rien. Mais on le fait quand même. Pour le style. Pour le flets. L'encre. C'est pas mal l'encre. Frappe rapide. Pour stacker le kunai. En vrai, pivot. Non, c'est de la merde. Je sais pas si c'est nécessaire d'avoir une frappe rapide. Après, j'ai pas beaucoup d'attaque. Après, tu me diras, je peux déjà mettre ça à zéro en fait. C'est autant mieux. Hein. Avec les folies. Qu'est-ce que j'améliore? Bah, des flags en vrai. Des flags devient intéressant. Le Team Eater. Un sadisme? Ou une arme secrète? Même violence, ça peut être ok. Mais moi, je préfère Grid. Oh là là, est-ce que c'est pas le moment de se mettre en colère direct? Dès le T1? On part sur de bonnes bases. Ah merde, ça va pas passer. Sad. J'aurais dû jouer l'englué plutôt. Prochain tour, j'ai plus beaucoup de cartes à jouer par contre. Je peux en jouer, faudrait que je le sépare maintenant en fait. Je déflage, défense, décharge.
Ok. Pas ouf. Pas ouf comme start. Je sais pas si je vous mets ignore la douleur. D'un autre côté, si je les joue pas, ça veut dire que je les garde. Ce qui n'est pas fou non plus. Ouais. C'est pas fou. De la merde tout ça. Ouais. C'est un peu de la merde. Je pense pas que j'ai envie de me mettre en colère pour le coup sur ce combat. Ça sera un petit peu greedy. Un petit peu greedy. Du coup, je fais 64. On va juste invincible. Ça dit, je fais pas grand chose d'autre quoi. Ça m'embête un peu. Le problème en fait c'est que mon hologramme il est pas fou non plus quoi. Il est pas amélioré. Qu'il était pas sous le nez, mais bon, on va pas se plaindre. Il fait trop, je peux pas. Ah, c'est un peu chiant. Ça dit, est-ce que je peux pas le tuer en utilisant ma potion? Si. Je pense. Ah, mais non, ça va le faire deux fois. Putain. Ça le fait qu'une fois, ça met pas bien. Ah, fait chier. Du coup, c'est pas incroyable. Vraiment pas incroyable. Est-ce que je rage bouillonnante? Je pense pas.
pense pas. Ouais, je me demande. D'après à 100, ça va être chaud. Ça va être chaud. Cela dit, j'aurais pu. Quand je vois la défense que ça m'a donné, j'aurais largement pu. Merci à toi, Asuki, pour le follow. Et bienvenue. Ok, bon, c'était pas terrible quand même, hein. On a pris cher, mais l'important c'est qu'on est vivant. En vrai, j'aurais pu me mettre en colère, je pense. J'aurais pu me mettre en colère. Est-ce que je me soigne? De toute façon, améliorer, à la limite, voir un hologramme. Un vrai hologramme, avec les folies. Avec les folies, ça peut être sympa. Oh, les pills. C'est agréable. Ma foi, c'est fort agréable. La petite fortif. Est-ce que c'est nécessaire, la fortif? J'ai tellement besoin de pratiquer mon français. Ah! Tu viens d'où, Aspi? Les potions. Ouais, en vrai, je peux prendre des potions. Canada. Ok. Tu viens du côté... Tu parles... Enfin... Tu parles pas français nativement, du coup? Ouais, en vrai... En vrai, il y a un coup de pied sauté aussi. Avec heure et des folies. Il n'y a pas moyen de moyenner. Dommage que j'ai pas eu d'ambidestrie en vrai. J'ai envie d'acheter là de la folie encore. Et après l'école. Ok. Est-ce que c'est pas une petite fortif plaquage? Parce que pourquoi pas. En vrai, ça sert pas à grand chose, mais... En vrai, je sais pas, pourquoi pas. En fait, j'ai rien pour garder l'armure, mais... Allons-y. Allons-y comme ça. Je sais pas. Je sais pas, mais pourquoi pas. Thank you.
J'aurais... Ah mais je pouvais pas. J'allais dire j'aurais peut-être dû me laisser taper mais je pouvais pas. Poli en vrai. Poli x2 là c'est pas utile de ouf mais... Pas le bouillonnante. En vrai je peux pas. Je peux pas tuer les deux au prochain tour. J'ai envie de faire ça mais... Pas utile. Ok. 43, je tue pas. Intensité. Je fais ça, puis second souffle. J'aurais peut-être dû me retourner après. Je prends que 10. Est-ce que c'est bien grave? J'aurais tendance à dire que non. Peut-être le bouclier. Ouais, si je l'avais foutu, je l'aurais peut-être pu le tuer. En vrai. Il est vrai. Bon, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Pantographe, on va être full vie. Coup de pied tournoyant, en vrai, c'est un coup de pied tournoyant avec folie. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Panache ou subtilité? Je dirais subtilité, plutôt. Ça me fait chier de pas piocher 5 cartes, mais en même temps, j'ai pas envie de claquer ces cartes-là non plus, quoi. Ok, c'est pas mal. La fortif aurait peut-être été une bonne idée. Hein. Aurait été sûrement une bonne idée. Peut-être du coup de boule. Ah, c'est dommage, la potion d'artefact.
Ah putain les... Ah oui putain. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Et je l'oublie à chaque fois. Hein. C'est assez terrible ça. Vraiment c'est assez terrible. À chaque fois j'oublie. Je sais pas si je veux fumer toxique en vrai. Je l'ai dit, ça ne fait pas en chaud. Ouais mais ouais, j'oublie. Un peu ça le problème. Ça fait mal quand même. Ça peut-être avant. Aïe aïe aïe. Pas beaucoup avancé dans les dégâts. T'as pris 50 pour rien. Ouais, non mais... Chaque fois, j'oublie certains trucs. C'est assez chiant. Je meurs, là. Non. Pas pour l'instant. C'est pas facile. Pas facile. Est-ce que je fais juste ça? Je pense pas que je pourrais tanker le prochain coup. Hein. Je le prends en toi. Merci. Merci. Moi j'ai du mal à croire en moi là. Thank you.
Je vais prendre 3, du coup, je suis à 50. 50, ça va. Est-ce que j'aurais pas pu tuer en vrai 64 128 avec second souffle tu peux sûrement ça donne pas mal d'armure. Assez agréable. C'est assez agréable. Bon, j'avoue que je troll mes fights, mais ça c'est tout le temps en fait. C'est assez commun. Mais ouais, c'était chaud. C'était chaud. Mais ouais, j'oublie certaines reliques des fois. Mais bon, GG, c'était quand même une bonne run.